ne craindraient le Seigneur et ne glorifieraient ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Viens prendre le contrôle, Père, que cette parole que tes enfants puissent la comprendre, que nous puissions la comprendre dans le nom de Jésus-Christ. Père, viens prendre le contrôle et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Et gare à ceux qui vont dormir. Si tu essaies de dormir, on va verser de l'eau sur toi pour que tu ne dormes plus, pour que tu te réveilles. Amen. Il y avait une église, eux faisaient comme ça. Amen. Il y avait une personne qui était chargée de verser de l'eau sur tous ceux qui dormaient. Amen. Donc, quand tu dormais, il versait de l'eau sur toi. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est comme ça, l'esprit de sommeil te libère automatiquement. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on va se rasseoir. Alléluia. On va se disposer parce que le Seigneur Jésus-Christ va nous parler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre tous nos épées. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 13. Lévitique 25, versets 8 à 13. Alléluia. Lévitique 25, versets 8 à 13. Qui peut nous lire cette parole merveilleuse? Il est écrit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth avec respect. Tu compteras cette année sabbatique, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme sang. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que son nom soit magnifié. Bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit d'un passage très important, alléluia, et que son nom soit magnifié, et que le nom du Seigneur soit glorifié, alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous parle de la loi du jubilé. Alléluia, ton voisin, le jubilé, alléluia. Le jubilé, dis-lui ça, le jubilé, alléluia. Sarah Justine. Sarah Justine, le jubilé. Le jubilé. Allez, Sarah Anne aussi. Le jubilé. Le jubilé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le jubilé du Seigneur. Le jubilé de l'Éternel. Alléluia. Il a dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année donneront 49 ans.
Et le dixième jour du septième mois, alléluia, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Dis à quelqu'un la cinquantième année. La cinquantième année. Alléluia. On dit la cinquantième année. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Bien-aimé, c'est une parole importante et c'est une révélation que le Seigneur nous a donnée. Amen. Mais bien-aimé, en lisant ce passage, tout simplement, alléluia, tu peux le lire simplement et ne pas le comprendre. Mais heureusement que le Seigneur a donné l'esprit de la prophétie afin de pouvoir sonder les Écritures et de pouvoir voir les profondeurs des écrits. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un la cinquantième année. La cinquantième année, c'est le jubilé. Alléluia. Je l'avais dit, c'est une période. Si on peut dire, alléluia, c'est une année sabbatique. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde se repose. Même la terre se repose. Tout se repose. C'est un jour du repos. Amen. Cela nous rappelle une histoire où le Seigneur a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Toujours l'histoire du repos. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage et nous allons encore comprendre davantage cette histoire de repos. C'est pourquoi je t'invite à prendre ton épée. Dans le livre de Genèse, alléluia, chapitre 6, verset 3. Au tout début, quand le Seigneur avait créé, il avait déjà parlé de ça. Alléluia. Genèse, chapitre 6, verset 3. Écoutez bien. 6, 3. La parole de Yeshua, il est écrit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Relis encore, oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Ouais, soyez disposés. Amen. Voilà. Bien-aimé, regardez. Déjà à partir du verset 1, le chapitre 6, on nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et on dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est que chair, n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Même le verset 4, on dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et on dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Et le verset 6, on nous dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Parole du Seigneur. Donc, bien aimé, quand on situe le verset 3 que nous avons lu dans le contexte, nous voyons que, bien aimé, dans le Seigneur, là-bas aussi, il y avait le péché, il y avait le mal qui était tellement répandu sur la terre, et le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais bien aimé, essayons de calculer, alléluia, on va faire une petite étude avec le calendrier, alléluia. Mais le calendrier que nous étudions, alléluia. Notre calendrier que nous étudions, alléluia. Voilà le calendrier d'Israël, alléluia, avec notre calendrier que nous étudions. Il y a quelques petites différences, mais ça s'avoisine, alléluia. Donc, on va prendre le calendrier que nous étudions, alléluia, c'est-à-dire l'an zéro, alléluia, la naissance de Jésus-Christ, depuis la fondation du monde, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, il y a eu 4000 ans qui se sont passés. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Il y a eu 4000 ans qui se sont passés selon la ligne du temps. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis la naissance du Seigneur Jésus-Christ à l'an zéro, jusqu'à bien aimé dans le Seigneur, à l'an 2000 de notre ère où nous sommes, ça fait 6000 ans. Donc si vous calculez bien aimé les 6000 ans, divisé par 50 jubilés, ça nous donne combien de temps? Calculatrice. 120. Ça nous donne combien d'années? 120. Ça nous donne 120 jubilés. Et le Seigneur dit que, on dit, l'Esprit du Seigneur était affligé. Et il a dit que mon esprit ne restera pas toujours de l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. C'était une prophétie que le Seigneur avait donnée. Alléluia. Lorsqu'il parlait de ça. Amen. Amen. Il parlait aussi de la fin des temps. Pour dire que lorsque les êtres humains vont arriver à 120 ans, 120 jubilés, alléluia, selon le calendrier de Dieu, le péché va abonder tellement sur la terre. Et le Seigneur sera affligé dans son cœur. Il n'aura pas d'autre choix que de détruire. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans ce temps, malheureusement. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur dans ce temps, dans ces 120 jubilés. Alléluia. Où le péché va s'accroître, où le péché est accru. Bien aimé, c'est un problème. Alléluia. Et regardez encore cette même loi de jubilé. On a vu les 120 ans qui typifient aussi le temps de la fin des temps. Regardons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, un passage merveilleux. Alléluia. Regardez Genèse 25, verset 40. Genèse 25, verset 40. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Genèse 25, verset 40. Personne ne sait où se trouve le livre de Genèse. Genèse 25, verset 40. C'est le commencement. Hein? Alléluia. Oui? Il n'y a pas de verset 40 dans notre version. Hein? Ça s'arrête alléluia, à... Chercher. Alléluia. Genèse 27, c'est ça? 27 ou verset 40. Alléluia. Donc, on me fait comprendre que... Alléluia. Il n'y a pas 40, alléluia. Je vais le trouver, alléluia. Peut-être ça doit être... Alléluia. C'est chapitre 27, verset 40, c'est ça? Alléluia. On va le chercher tranquillement. Alléluia. Chapitre 27. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 25. Plutôt le verset 20.
Alléluia. Amen. Voilà. Firme de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons le lire maintenant. Genèse 25, verset 20. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est dit? La parole du nom de Yeshua, il est écrit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Abraham, et sœur de Laban, l'araméen. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on dit que Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il s'est marié avec Rebecca, sa femme. Et bien aimé, regardez, la parole de Dieu déclare que je vous ai fiancé comme une vierge pure. Alléluia. Bien aimé, notre épouse, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et regardez, depuis l'an 0, alléluia, jusqu'à l'an 2000 de notre ère, alléluia, ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? 2000 ans, bien aimé. Alléluia. J'ai dit l'an 0 à l'an 2000. Alléluia. Ça fait 2000 ans. Divisez-le par 50 ans. Qu'est-ce que vous allez trouver? 40. Calculatrice. 40. Divisez-le par 50 jubilés. Ça fait combien? 40. Alléluia. Ça fait 40 jubilés. Ça fait 40 ans. Alléluia. Donc, bien aimé, le chiffre 40 aussi dans la parole de Dieu parle de la fin des temps. Alléluia. À 40 ans, Isaac doit se marier. Et Isaac, ici, qui typifie le Seigneur Jésus-Christ, qui va se marier. Alors, il va envoyer Eliezer, alléluia, pour aller chercher, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Le père, qui est Abraham, va envoyer Eliezer pour aller chercher Rebecca. Alléluia. Les Eliezer, ici, sont les serviteurs de Dieu, comme vous et moi. Notre but est d'aller chercher les Rebecca qui sont dans le monde, qui sont dans la prostitution, qui sont dans le mensonge, qui sont dans le péché. Alléluia. C'est ça le rôle des Eliezer. Les Eliezer sont ici, on dit, Eliezer était le plus fidèle des serviteurs d'Abraham. Il était le plus ancien. Et Abraham l'a envoyé. Il dit, tu vas me ramener une femme. Alléluia. Pour mon fils Isaac. Alléluia. Alléluia. On dit, ce mystère est grand. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Jésus-Christ a uni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Et bien aimé, regardez ce qui va se passer. Encore, cette histoire de 120 jubilés et cette histoire de 40 jubilés encore, court encore. Regardez bien aimé, dans Jonas chapitre 3, verset 4, écoutez encore. Toujours avec le chiffre 40. Bien aimé, faites attention avec le chiffre 40. Souvenez-vous que le Seigneur lui-même, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jonas, chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours à propos du chiffre 40. Oui. Rapidement. Jonas. Vous ne savez pas où ça est, c'est ça? Ça doit être rapide. Du tic au tac. Jonas, chapitre 3, verset 4. Rapide. Amen. Oui, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Amen. Je lis la parole du Seigneur avec crainte et respect. Amen. Amen. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Parole. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le message de Jonas. Le Seigneur dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, et parle-leur de leur péché. Dites-leur de se repentir, parce que le jugement va s'abattre. Et le Seigneur lui dit, va lui dire que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Toujours le chiffre 40.
Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Alléluia. Bien-aimés, regardez encore un autre verset et ensuite nous allons décortiquer. Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Écoutez bien. Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Ça, on appelle ça le calcul de Dieu, le temps de Dieu. Voilà comment Dieu il calcule son temps. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 34, alléluia, là, le verset 7. Oui, rapidement. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mort Ruth, sa venue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Moïse est mort à 120 ans. Amen. Toujours, bien-aimé dans le Seigneur, toujours le chiffre 120. Alléluia. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, quand on divise les 120 ans de Moïse, ça fait 40. Alléluia. 40. Trois fois 40 fois. Je peux dire ainsi. Alléluia. Bien-aimé, tout ceci cache des révélations. Tout ceci cache des prophéties. Mais bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Le chiffre 40 et le chiffre 120. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des chiffres importants. C'est comme le chiffre 7 et le chiffre 3. Amen. C'est comme le chiffre 7 et le chiffre 3. Alléluia. Quand le Seigneur dit, je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Il parle toujours du troisième millénaire. C'est ça, parce que selon le Seigneur, un jour fait 1000 ans et 1000 ans font un jour. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu calcule. Le septième jour, c'est le jour du repos. Et aussi, le troisième jour aussi, alléluia, c'est aussi le jour du repos selon la parole du Seigneur. Dans le chiffre 120 et le chiffre 40, alléluia, vont de pair. Ça veut désigner la même chose. Les deux chiffres parlent de la fin des temps. Et bien aimé dans le Seigneur, comme le jubilé est fait pour se reposer, pour que la terre se repose, pour que tout le monde se repose, bien aimé dans le Seigneur. Or, il a dit que le septième jour, le Seigneur se reposa. Donc, bien aimé, nous sommes nous aussi au jour du jubilé. Alléluia. Nous sommes aussi, au sens prophétique, nous sommes aussi au jour du jubilé, où il doit avoir le repos. Et le Seigneur nous dit dans le passage que nous avons lu de Lévitique, chapitre 25, verset 8 à 13, on nous dit que là-bas, il doit avoir l'expiation. On doit sonner de la trompette afin que tout le monde puisse se sanctifier. Le Seigneur le dit, le verset 10 de Lévitique, verset 25, chapitre 25, on nous dit, et vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans tout le pays et de tous ses habitants. Alléluia. Et on dit, chacun de vous retournera dans sa propriété. Nous devons nous sanctifier. Bien-aimés, le jour où nous sommes arrivés, ce n'est plus le temps de dire aux gens que tu vas prospérer, que tu vas avoir ceci, que tu vas avoir maison, que tu vas avoir voiture, que tu vas avoir de l'argent, bien-aimé. Parce que nous sommes déjà à la fin des temps. C'est le temps où nous devons dire au peuple de Dieu, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Et c'est ce que le Seigneur lui-même l'a fait dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message de notre millénaire, le message du temps dans lequel nous sommes, c'est le message de la repentance.
parce que nous sommes au temps du jubilé de façon prophétique. Nous sommes au 40e jour. Nous sommes au 120e année. Nous sommes à la 40e année. Alors, bien-aimés, notre message est de dire aux gens, au peuple de Dieu, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et la France sera détruite. Encore 40 jours et les États-Unis seront détruits. Encore 40 jours et le Maroc sera détruit. Encore 40 jours, tel pays sera détruit. Parce que nous sommes à la fin des temps. Voilà le message que nous devons donner au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. La repentance. Le Seigneur nous dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Tous ces calculs, alléluia, prophétiques, peuvent dire que nous sommes au temps du jubilé. Nous sommes à la 120e année selon le Seigneur. C'est en ce moment que le péché était accru sur la terre. Le Seigneur dit que mon esprit ne respira pas toujours en l'homme, car chaque jour, son cœur est tourné vers le mal. Chaque jour, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Tout le monde veut le mal. Tout le monde fait le mal. Tout le monde cherche le mal. Aujourd'hui, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare que la bonté de l'Éternel se renouvelle. Bien-aimés, en ce jour, la bonté de l'Éternel doit se renouveler en nous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons le lire. Alléluia. Romains chapitre 12, alléluia. À partir de verset 1. Romains chapitre 12, à partir de verset 1. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? La parole de mon Dieu, Yeshua, je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable car c'est là le service du temple pour vous. En d'autres mots, ne vous conformez pas aux habitudes du l'âme arrête. Au lieu de cela, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre entendement afin que vous connaissiez ce que Dieu veut. Vous comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s'accomplir. Car je dis à chacun d'entre vous par la grâce qui m'a été donnée. Amen. 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 Par la grâce qui m'a été donnée. Bien aimé. Ah. Je crois que... Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois qu'il y a un petit décalage. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole de Dieu? Et nous, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien-aimé, le temps dans lequel nous sommes, ton intelligence doit se renouveler afin que tu saches ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, parce que les temps sont tellement mauvais. Bien-aimé, il y a des choses que tu vois tellement que l'homme est habitué. Bien-aimé, je vous le dis, un mensonge répété plusieurs fois peut finir par vérité devant toi. Alléluia. Peut finir par devenir la vérité. Pourquoi? Parce que tu le vois quotidiennement. Regardez vous-même aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'homosexualité, il y a encore de la résistance. Il y a des gens qui ne veulent pas. Je vous assure, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, si le Seigneur Jésus ne revient pas et que cette loi continue, vous allez voir, dans la tête même des enfants, des gens, ça sera quelque chose de... Ça sera quelque chose de normal devant les gens. Et c'est comme ça le diable a fait. Afin que nous puissions nous dénoncer de plusieurs choses que le Seigneur n'avait pas prescrites. Alléluia. Donc, bien aimé, le péché est tellement accru dans ces temps-là que nous devons faire attention.
Le message que nous devons donner aujourd'hui, c'est le message de la repentance. Mais bien aimé, il va avoir un problème. On dit déjà, la cognée mise à la racine, selon le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 10, on nous dit que déjà, la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Bien aimé, il va avoir un problème avec l'histoire de la cognée. Souvenez-vous que celui qui a dit que la cognée vient avec Jean-Baptiste, parce que c'est Jean-Baptiste qui a parlé de cognée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Ils ont fait quoi? Ils ont coupé sa tête. Ils ont coupé sa tête. Amen. Donc, bien aimé, toi qui vas essayer d'envoyer la cognée, amen, prépare-toi. Parce que l'ennemi cherche à couper ta tête. Parce que la cognée, c'est la repentance. Parce que Jean-Baptiste disait, il est venu avec le baptême de la repentance. Il leur disait, repentez-vous et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Que de ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Repentez-vous donc et pratiquez, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste le disait. Ça fait qu'on a coupé sa tête. Il a déjà la cognée mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Souvenez-vous, on dit que les fils des prophètes, ils ont dit que l'endroit dans lequel nous sommes est petit. Nous allons construire un endroit plus grand. Ils sont partis, alléluia, pour couper des arbres, pour construire la maison. Et eux-mêmes, ils n'avaient pas de cognée. Et la cognée était une cognée qui était empruntée. Et la cognée était tombée dans l'eau. Il a fallu que Élisée, alléluia, puisse, le Seigneur puisse l'utiliser afin de pouvoir faire sortir cette cognée. La cognée est combattue. La cognée est combattue. La cognée, c'est la repentance. Bien aimé, quand tu fais une église, alléluia, et que tu parles aux gens de la repentance, de sortir du péché, de pratiquer, bien aimé, les gens vont te quitter. Amen. Amen. Ils vont te quitter, ils vont chercher les endroits où on va les encourager dans les péchés. On va leur dire, non, c'est pas grave, Dieu me comprend, voilà, ça va aller. Voilà. Bien aimé, voici les choses que les gens aiment. Mais les églises vont te dire, repends-toi de ta faute, repends-toi de tes péchés. Mais ne dis pas dans ton cœur, moi je connais les choses de Dieu. Non, il a dit que de ses pierres, si Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur dit que des renards ont des tanières. Les animaux ont où reposer la tête. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il est en train de prophétiser. Il est en train de parler. Mais le Seigneur avait une demeure. Alléluia. Il a dit à ses disciples, venez et voyez où je suis. Mais il a dit que voici, les renards ont des tanières. Les animaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Or, il a dit quoi? Que Christ est la tête de l'Église. Amen, amen. Amen. Le corps est membre du temple. Oh, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 4? Il a dit qu'en ce jour, cette femme saisira un homme et ils lui diront, fais-nous porter, il dit, fais-nous seulement porter ton nom. Et nous mangerons notre propre pain. Vous voyez, les églises aujourd'hui veulent porter le nom de Jésus-Christ. Mais eux-mêmes, ils veulent manger leur propre pain. Or, le Seigneur dit, je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Quand il a parlé du pain, il dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Tout le monde s'était retiré de lui. Et tout le monde a dit que cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Bien-aimé, quand tu veux parler de la repentance, apprête-toi. Parce que, bien-aimé, l'ennemi cherchera à couper ta tête. L'ennemi cherchera à couper ta tête. L'ennemi cherchera à te combattre. Alléluia. Parce que tu as osé dire la vérité. Les gens sont plutôt, bien aimé, il y a souvent dans certains endroits, tu peux parler de tout. Tu peux parler des autres religions, de Bouddha, de ceci, cela. Mais lorsque tu parles du nom de Jésus-Christ, il y a un problème.
Non, ça s'envoie des problèmes. On ne veut pas avoir des problèmes ici. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ce nom. Dès que tu parles de l'Église, lorsque tu parles de Jésus-Christ, il y a un problème. Le visage se ferme. Ce nom dérange. Comme elle dit, le visage se ferme. On ne veut même pas t'écouter. On te traite d'illuminé. On te traite de cela. Tu as des hallucinations. Mais pourtant, si les gens voient un magicien faire des bêtises, les gens sont prêts. Oh oui, oui, ça fait rire. Mais quand on dit « Repentez-vous, cherchez le pire », on ne veut pas. C'est la vérité. On dit « Repends-toi de ta faute, de tes péchés ». On dit « Mais écoute, ce n'est pas bien de tromper ton mari. Ce n'est pas bien peut-être de tromper ta femme. Ce n'est pas bien que tu vives dans l'impudicité. » La personne va dire « Ah, vous êtes trop dur. » Ça fait quoi? Aujourd'hui, avoir une copine. Bien-aimé, on va te dire que toi, tu es trop dur. On va te dire cet homme de Dieu, il est trop dur. Cet homme de Dieu, il est trop dur. Il n'y a pas d'amour en elle. Bien-aimé, il n'y a pas d'amour en lui. Bien-aimé, le vrai. De lui dire, sauvez-vous de cette génération méchante et adultère. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est de crier pour dire. Ninive sera détruite. Sauvez-vous de Sodome et de Gomorrhe. Sauvez-vous parce que le Seigneur va détruire la ville. C'est ça, le véritable amour. Alléluia. Quand tu dis aux gens, c'est pas possible, tu peux pas rester dans les magouilles. Dans les mousses, pas tromper les gens. Ils vont te dire, ah, vous êtes trop dur. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Vous voyez? Pourtant, c'est la parole de Dieu. Pourtant, c'est la parole de Dieu. On veut prendre une partie de la parole de Dieu et l'autre partie laisser. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes devenus ainsi? Nous aimons le mal et nous haïssons la vérité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, alléluia, dans sa parole, prenons nos épées. Dans le livre de 2 Timothée, c'est un. Je vais le lire moi-même. Il a dit, sache que dans les derniers jours, quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Vous voyez? On dit ennemi des gens de bien. Toi, tu ne comprends pas, mais les gens te détestent. Pourquoi tu es bien? Pourquoi tu es gentil? On t'insulte, tu ne réponds pas. Tout ça, ça les énerve. On dit ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Alléluia. Ça fait 666. Amen. 666. Quand on va voir, regardez ces péchés-là. On dit les gens seront. Égoïste, ça fait un. Ami de l'argent, ça fait deux. Fanfaron, ça fait trois. Hautain, ça fait quatre. Blasphémateur, ça fait cinq. Rebelle à leurs parents, ça fait six. Ça fait un premier six. Ingrat, un. Irréligieux, insensible, trois. Déloyaux, quatre. Calomnateur, cinq. Intempérant, six. Ça fait deux, six. Cruel, 1. Ennemi des gens de bien, 2. Traite, 3. Emporté, 4. Enflé d'orgueil, 5. Aimant le plaisir plus que Dieu, ça fait 6. Ça fait 6, 6, 6. Oh là là, Seigneur. Révélation. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, vous voyez, ça fait 666. Or, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le Seigneur nous dit que c'est un chiffre d'homme. Au temps de la fin, personne n'aura acheté, ni vendre, ni boire, si tu n'as pas le chiffre de la bête sur toi. Dans les derniers temps, cela veut dire presque que tout le monde sera ainsi. C'est ça le chiffre de la bête. Tous les gens seront marqués. Bien aimé, s'il n'a pas un, il a l'autre. Je déclare que tu ne sois pas marqué de ce sceau-là au nom de Jésus-Christ. Que tu sois. Bien aimé, au temps de la fin, nous sommes. Les temps sont mauvais. Je veux dire à quelqu'un, les temps sont très mauvais. Nous sommes dans un temps fâcheux. Alors, c'est le moment de te sanctifier. C'est le moment de rechercher. Car nous sommes au temps de la fin. Ça fait 120 jubilés. Ça fait 40 jubilés. 120 jubilés depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et 40 jubilés depuis l'an zéro, la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à maintenant. Bien-aimé, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Le diable travaille à faire tomber les enfants de Dieu. Alléluia. Cherche le Seigneur de tout ton cœur, bien-aimé. Quand tu vas à l'église de la présence de Dieu, quand tu vas à la Keïla, bien-aimé de le Seigneur, bien-aimé, tu dois être focus, concentré sur ton salut. Bien-aimé, si tu vas à l'église pour regarder les gens, bien-aimé, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, bien-aimé. Mais bien-aimé, quand tu vas dans la présence de Dieu, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Parce que dans les derniers temps où nous sommes, bien-aimé, on vient de l'assister toi-même. Les gens, bien-aimé, ce que nous voyons ici, alléluia. Je vais prendre une autre version, nous allons lire, alléluia. Le temps que je trouve une autre version, alléluia. 2 Timothée chapitre 3, alléluia. Alléluia. 2 Timothée, alléluia. Je vais prendre une autre version. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais le lire et vous allez voir. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, alléluia. Regardez. Alléluia. On dit les hommes seront épris d'eux-mêmes. Fiers, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur. Bien-aimés, tu vois, aujourd'hui les gens sont sans cœur. Hein? Pas de cœur. Amen. Pour faire le mal. Amen. Pour dire la vie des autres, ils n'ont pas de cœur. Bien-aimés, ils sont prêts. Ils sont comme des démons, hein, bien-aimés. Sans cœur, sévère, calomniateur, intempérant, brutaux, ennemi du bien. Vous voyez? Aujourd'hui, quand tu parles du bien, même regardez, même, comment je vais dire ça? Même les actualités, on va toujours où il y a le mal, où il y a telle personne qui a fait quelque chose de bizarre, où il y a la mort, où il y a ceci, c'est ça, c'est de là qu'on parle. Mais pourtant, nous tous, on sait que si on veut changer les mœurs et on veut changer la société, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des films où on parle du bien, où les gens font du bien, où monsieur ne trompe pas madame, où madame ne trompe pas monsieur, où tout le monde. C'est ça. Si cela, bien aimé, ce n'est pas ce qu'on devait faire, mais qu'est-ce que les gens font? On fait des films. C'est ça. Ou celui-là trompe celui-là. Monsieur trompe madame. Madame trompe monsieur. Les enfants sont rebelles. Les enfants sont ceci. Les voleurs, les ceci. Quand tu parles, on dit non. C'est pour critiquer les sociétés. La meilleure manière de critiquer l'état de la société, c'est de faire des films où on voit des gens faire de bonnes choses. Des gens qui font de bonnes actions. Les bien-aimés, quand nous sommes exposés au bien, c'est ça qui va nous transformer. C'est ça qui va nous régénérer. C'est ça qui va faire que oui, nous allons aimer le bien. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, si on fait toujours des films où on prend toujours monsieur est mauvais qui est en train de frapper sa femme, qui a tué sa femme, on fait des
où madame a tué, qu'on appelle ça, son mari, où les enfants ont fait ceci, où les enfants sont brigands, ce sont des assassins en série, ce sont des tueurs en série. Qu'on ne fait que montrer ça tous les jours, matin, midi, soir, tous les jours, à votre avis. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis qu'il y a un piège derrière toutes ces choses. On vous dit que non, c'est pour critiquer l'État. C'est pour vous faire de sorte que les gens puissent changer, bien-aimé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. C'est pour encourager les gens à... Ainsi. Amen. On dit ennemi du bien. Traître. Amen. Bien-aimé. Quand tu vois la traîtrise qui existe aujourd'hui, quelqu'un qui est prêt à laisser son ami, quelqu'un qui est prêt à laisser une personne qui lui faisait confiance, bien-aimé, la traîtrise est devenue monnaie courante. Dans de la traite, celui-là, tu traites la personne. On te dit, oui, je vais te donner ceci. Il faut trahir telle personne. Tu trahis à cause des intérêts, à cause de la cupidité, à cause de ces choses. On est prêt à trahir les gens qui nous ont aidés. On est prêt à... qui nous ont fait du bien. On est prêt à le faire. Entêté. Beaucoup sont entêtés. Même malgré les miracles, même malgré les prodiges, malgré tout ce que le Seigneur leur montre, eux, ils sont toujours dans le péché. Enflé d'orgueil. Tout le monde est orgueilleux. Oui, orgueilleux. Personne ne peut s'humilier. Même pour demander pardon, pour dire, quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, vous demandez pardon, pour dire, oui, je te demande pardon, parce que pour ce que je t'ai fait, on ne veut même pas. On est toujours sur la défensive. On est toujours sur le TV. Bien-aimé, moi, le plaisir plus que Dieu. Car il garde les formes extérieures de la piété, mais il en relie sa puissance. Bien-aimé, le temps où nous sommes, c'est le temps de la repentance. C'est le temps où nous devons sonner la trompette de la sainteté. Amen. 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 De vous. Repentez-vous. Le Seigneur dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Oui. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas te taire. Sonne de la trompette. Dis que bientôt c'est l'exode. Sonne de la trompette. Devant tes frères, devant tes soeurs, devant tes amis, devant tout le monde. Dis-leur que c'est l'exode. Sonne maintenant. Sonne la trompette de la sainteté. Et dis à ceux qui sont là, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Yes. Le jubilé parle du repos. Le temps du repos est arrivé. Le temps du repos est arrivé. Le temps du repos est là, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le moment. Nous devons crier à tous ceux qui sont là. Repentez-vous. Changez de vie. Repentez-vous quand nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi, bien-aimé, que l'esprit de timidité te libère, mais que l'esprit de force, d'amour et de sagesse t'anime et que tu te lèves et que tu parles afin que les générations, ceux qui sont autour de toi, se repentent de leurs péchés. Nous sommes à la fin des temps, à la fin des temps. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de chercher le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je t'aime là. L'apôtre Paul nous dit aussi que la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous les yeux des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Les temps sont finis, enfants de Dieu. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. On a dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, alléluia, verset 3, on dit que le péché était accru et le cœur de Dieu était affligé. Et regardez encore une révélation dans Genèse, chapitre 6, alléluia, où on parle des fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles et se sont pris des filles. Et on dit, c'est là qu'il y a eu des zéros qui sont nés. Ce sont ces zéros-là qui étaient fameux dans l'Antiquité. Et puis ça remonte à notre époque. On nous parle des super-héros. Amen. On nous parle des super-héros. Voici l'origine de ces super-héros-là. On va te dire
On va te dire ce sera. On dit ce sont les super zéros. Bien aimé, c'est toujours la renaissance de ces esprits-là. Et quand le Seigneur parlait, parce que ceux-là, ils se sont unis avec les hommes. Abomination. Attention, c'est une abomination. C'est une abomination. Alléluia. C'est une abomination, bien-aimé. Et ce que le diable veut faire, le diable a toujours aimé qu'il y ait un brassage entre les démons et les êtres humains que Jésus-Christ a créés. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le temps-là est arrivé. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de... même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça qui s'était passé au temps de Noé. C'est pourquoi le Seigneur avait envoyé le déluge. Bien aimé. C'est qu'il y a eu mélange entre les démons, entre les anges déchus et les êtres humains créés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu ce brassage. Parce que c'est eux qui donnent ce cœur-là. Regardez aujourd'hui comment les hommes sont devenus. Les hommes sont entêtés dans le mal. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme lui-même a peur d'arriver à une certaine profondeur du mal. Regardez même l'homme, même pour tuer son prochain, il doit aller prendre peut-être l'alcool ou bien prendre la drogue afin qu'il soit à sa conscience, soit, comment je peux dire, soit en veille pour qu'il puisse faire le mal qu'il veut faire. Mais aujourd'hui, des gens qui font le mal à... qui peut égorger les frères devant eux, qui peut tuer les frères devant eux, mais quand cette personne demande de la pitié, de la miséricorde, cette personne est sans cœur. Vous pensez que c'est rien? Parce que ceux-là, ce sont des anges déchus, ce sont des démons chers. Alléluia. Les temps sont dangereux. Les temps sont fâcheux. Les temps sont difficiles. Le Seigneur dit, car les temps sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Car les temps sont mauvais. Église du Seigneur, rachète le temps. Les jours sont mauvais. Aujourd'hui, regardez ce brassage qu'il y a eu. Il y a un esprit méchant qu'on appelle, je lève d'abord le nom de Jésus-Christ au-dessus de ce démon, qui s'appelle Lamatsu. Ce démon-là a pour but de récolter tous les avortons sur la terre. C'est pourquoi le diable veut qu'il y ait les avortements sur la terre. Cet esprit-là est là pour récolter tous les avortons. Après, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'un être humain, chez un occulte, chez un mystique, ou bien aller demander au diable de te donner un enfant, ils vont te donner cet enfant-là. Mais en réalité, ces abortons qui sont pris, on va mettre en eux les esprits de sirènes. On va mettre en eux des esprits de sirènes. Et ceux-là, les sirènes vont naître parmi nous. Quand tu vois la personne, je pense que c'est un être humain. C'est ceux-là qui sont fameux, qui sont des grands artistes, qui sont des présidents. Ils sont toujours dans le mal. Ils sont là pour servir de modèle. Ils sont là pour servir de modèle aux êtres humains, afin de les amener toujours dans le mal. Parce que l'être humain lui-même, comme il est à l'image de Dieu, de façon naturelle, il y a un certain niveau que l'homme ne peut pas arriver. Alors, eux, ils sont là pour t'encourager. Et ils sont là pour t'encourager, pour t'envoyer dans le mal. L'arrivée du temps de Noé arrivera de même l'avènement du Fils de l'homme. C'est temps où nous... C'est pourquoi? C'est la repentance. Ce n'est plus le temps de la bénédiction. Ce n'est plus le temps de ces choses. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la repentance. De sonner la trompette de la sainteté. Que l'Éternel vous bénisse. Et que la paix... Amen. Je t'invite à clapper le Seigneur.